Et bonjour à tous, Julien pour Tracer sur Magazine. Donc aujourd'hui, je vous présente un retour test d'une paire de chaussures qui est pour moi un coup de cœur en ce début d'année. C'est la Brooks Hyperion Max. Donc modèle très léger. On est sur un modèle de 200 grammes en taille 42 avec un drop de 8 mm. Pour moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est une chaussure donc légère et qui propulse vers l'avant. Sa technologie Rod and Roll, donc à l'arrière incurvé ainsi qu'à l'avant, ça propulse vers l'avant et elle est assez dynamique. C'est pas une chaussure à plaque carbone, mais elle reste tout de même équivalente à ces chaussures là. Donc il y a une coque talonnière qui renforce bien, qui maintient très bien le pied et assure donc une bonne stabilité. Un peigne en mèche qui est très léger, très fin, qui est taillé au laser, et ensuite donc une languette assez fine qui vient bien épouser le pied, un lassage parfait. Pour moi, c'est une chaussure très bonne, de très bonne qualité, que j'ai utilisé donc sur piste, en sortie longue. Là, je rentre d'un footing en vacances en Grèce avec. C'est que du bonheur, moi j'adore. En plus, au niveau coloris, elle est juste canon. Donc, une bonne chaussure de transition que je vais utiliser sur mes runs et mes entraînements, donc, sur piste ou en sortie longue ou moins longue. Voilà, donc retour test très prochainement. On sera ici sur Magazine. Allez, bonne journée à vous.